au personnel de l'APEX. Veuillez consulter votre tableau de service. Des modifications importantes ont été effectuées. Désolé, Lana, mais ils essayent juste de nous... Aux affaires coloniales, merci d'informer Monsieur Tan de votre situation. Ouverture d'un bar sur le Nexus. Les visiteurs voient dans le vortex un signe de civilité qui pourrait se détériorer à mesure que les résidents se réveillent la gorge sèche. Vous êtes sur SIH. Post-stase, l'initiative lance un appel au don de sang, de tissus et d'ADN. Allez voir un médecin si vous souhaitez participer. Vous êtes sur SIH. Ouverture d'un bar sur le Nexus.
7 sur SIH. C'est ici que le corps de Jen Garson. Les Angara sont des survivants. Qu'est-ce qu'on cherche ? Scanner la pièce pourrait permettre de reconstituer les événements à partir des données environnementales. Voilà. Ça n'avait rien d'un accident. On l'a assassiné. Plus d'un an s'est écoulé depuis cet incident. Le meurtrier doit à présent être très loin. Ouais. Attends. Cette zone était fermée à ce moment-là. Elle n'a ouvert qu'à l'arrivée de l'Hyperion. Alors qu'est-ce que Garson fabriquait là ? Un autre scan de la salle pourrait se révéler utile. Une porte dérobée. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ici Jen Garson. Le temps m'est compté. Je me cache dans les sections condamnées du Nexus depuis notre arrivée. Quelqu'un veut ma mort. Je les entends. Ils sont dans la ferme hydroponique. Ils me cherchent. J'ai intégré tout ce que je sais à l'IV du centre culturel. Le code se trouve dans cet enregistrement. Et quoi qu'il arrive, pensons, ils sont derrière la porte. Merde. Là, c'est du sérieux. C'est troublant, en effet. J'ai récupéré le code du kiosque IV qu'elle a mentionné. Ravie de vous revoir. Fondatrice de l'initiative. Bienvenue à vous, cher voisin. Je suis Jen Garson, fondatrice de l'initiative Andromède. Je souhaiterais vous en apprendre plus sur le projet. Sam, on peut écouter le message dont Garson parlait ? Déverrouillage en cours. Je le redirige sur notre canal privé. Pendant des années, l'initiative a eu un contributeur officieux. Pour être franche, je manquais cruellement de fonds. Puis une bienfaitrice est apparue. Je ne l'ai jamais vue ni lui ai posé de questions. Une regrettable erreur. J'ai menti à tout le monde. Quelque chose les a terrifiés dans la Voie lactée et voilà qu'ils déplacent 100 000 d'entre nous vers Andromède. Pour le meilleur, j'espère. J'ai des doutes. Je pense qu'on va essayer de m'éliminer. Avec Alec Ryder, nous avions un mot de code pour ça. Fulcrum. Il en sait peut-être plus. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par « quelque chose les a terrifiés dans la Voie lactée » ? La réponse pourrait se trouver dans les souvenirs de votre père. Il en savait peut-être davantage. Ouais, il faudra que j'en obtienne l'accès pour en avoir le cœur net. N'hésitez pas à vous adresser à l'un de nos ambassadeurs de la paix.
Tous les voyants sont au vert. Je détecte quelque chose. Sonde déployée. J'essaie d'avoir un scan. Certaine que les coordonnées de l'astronome sont correctes ? Il avait l'air sûr de lui. Il n'y a rien dans les parages. Le fléau n'a quand même pas avalé un satellite entier. Il peut pas faire ça. Si ? C'est ce qu'on va voir. Je vais essayer d'autres coordonnées. Les capteurs montrent une anomalie. Je déploie une sonde. J'ai trouvé quelque chose. Laissez-moi deviner. Pas de satellite Angara ? Non, mais j'ai autre chose. La balise d'un vaisseau Angara. Ils sont venus ici et ils n'ont rien trouvé non plus. Ils nous ont laissé un message. Ça doit être l'équipe que l'astronome a envoyée. Ils sont allés à d'autres coordonnées. On devrait les rejoindre. Montre une anomalie. Sonde déployée. Anomalie trouvée. De grosses interférences. On est peut-être un peu trop près. Je vois quelque chose dériver dedans. Un vaisseau Angara en morceaux. Aucun signe de vie. Qui a fait ça ? Les cartes ? J'ai trouvé le registre du vaisseau. Je le scanne et je le télécharge. Des charognards. Les Angara les ont pris en train de voler des satellites. Les charognes ont riposté et les Angara ont percuté le fléau. On peut retrouver ces charognards ? J'ai le numéro du transpondeur de leur vaisseau. Il est immatriculé à Port Kadara. Thank you.
partir, Piotr. Qu'est-ce que... Vous avez trouvé quelque chose? On a reçu un signal. Une demande d'identification. Le Tempête a envoyé une réponse automatique. On ouvrira l'œil dans le secteur. Sonde déployée. C'est un satellite, ça? C'est lui qui nous a envoyé un signal? Il utilise un code d'appel de l'initiative. Quelqu'un connaît notre technologie sur le bout des doigts. Essayons de le scanner. Qu'est-ce qui vient de se passer? Une procédure anti-traçabilité? Le propulseur a subi une surcharge, mais j'ai été plus rapide. J'ai récupéré un numéro de série qui... a déclenché une alerte. Pionnière, nous devons contacter Madame Addison au plus vite. Qu'est-ce qui se passe? Pionnière, vous avez des holos en attente. Ryder, parlez-moi du satellite que vous avez trouvé. De quoi est-ce que vous parlez, madame? Mon alerte a identifié un traceur de ressources ZK. Il s'agit d'une technologie d'urgence capable de contourner le protocole. Ils ont été conçus par le docteur Zoe Jane Kennedy qui a disparu avec les exilés. Si sa technologie a refait surface, elle pourrait permettre à des personnes mal intentionnées de piller vos avant-postes. Pourquoi ces traceurs ont été autorisés à contourner le protocole? Ils sont censés être des plateformes capables de localiser et d'extraire rapidement des ressources si des vies sont en danger. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas été déployés. Tam n'aimait pas qu'on passe outre son cachet d'approbation. Si ce satellite est récent, comment est-ce qu'il connaît nos mesures de sécurité? C'est une très bonne question. Quel était le rôle du docteur Kennedy dans l'initiative? Elle a conçu les balises orbitales, les stations avancées et la moitié des mécanismes du Tempête. Elle était capable d'installer une amélioration avant même que la demande arrive sur le bureau de Tan. Le docteur Kennedy a disparu avec les exilés. Une perte très regrettable. Vous dites qu'elle a disparu avec les exilés. Elle n'en fait pas partie? Elle compatissait, mais nous n'aurions jamais laissé partir une telle spécialiste. Elle était irremplaçable. Mais dans le chaos général, beaucoup de choses et de gens ont disparu. C'est assez extrême d'installer une alerte personnelle. Pourquoi avoir fait ça? Le docteur Kennedy menait beaucoup de projets officieux. Mais vous les souteniez, comme ces traceurs? Je n'ai aucune envie qu'une ordure utilise mes codes d'accès pour s'introduire dans nos ressources, ni que Tan vienne me le reprocher. Mais j'aimerais aussi savoir ce qui lui est arrivé. Par quoi est-ce qu'on commence? La technologie ou la personne? Le premier traceur vous a fourni quelques données. Avec d'autres scans, Souvi pourra peut-être retrouver le point d'origine. De toute évidence, ces traceurs sont déployés là où il y a une concentration de technologies de l'initiative. Des avant-postes, donc. Essayez un autre avant-poste, ou installez-en d'autres. Vous les attirez peut-être, qui que ça puisse être. Et si on trouve quelqu'un? Ils volent nos ressources. Je me préoccupe du docteur Kennedy, de sa technologie, et d'eux, dans cet ordre. Thank you.
Descente possible. Synchronisation, trajectoire stable. Vous vous appelez Yel ? Oui, c'est moi, Stanton Yel. Qu'est-ce que je peux faire pour la pionnière ? Parlez-moi des trois sabres. Eh merde. Cette réaction me dit tout ce que je voulais savoir. Écoutez, je pensais pas que quelqu'un le découvrirait, d'accord ? C'est quelque chose qu'il vaut mieux oublier. On a fait une erreur. Expliquez-vous. Les nouveaux avant-postes, nos routes commerciales, tout ça avait besoin de protection. On pouvait pas compter uniquement sur vous. J'ai proposé qu'on économise les hommes du Nexus en employant des exilés pour qu'ils se battent pour nous. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un d'aussi stupide et froidement calculateur à la fois. Je savais que je prenais un risque, mais je connaissais Cochrane. On a bossé ensemble. Je pensais pouvoir lui faire confiance. Je suis devenu leur commandant. Je les ai armés, je leur ai donné accès aux opérations de Prodromos. Ensuite, ils ont pris leurs nouveaux jouets et ils sont devenus des criminels. Ils se sont mis à attaquer ceux qu'ils étaient censés protéger. Vous êtes conscient que je vais devoir signaler tout ça. Vous avez conspiré avec des ennemis du Nexus. Et à qui vous comptez signaler ça ? À Addison ? Elle a donné son autorisation. Quoi ? Addison ? Elle savait pas si Ryder ferait une bonne pionnière. Elle cherchait désespérément d'autres options. Et donc allez-y, faites votre rapport. Addison sait que la moindre enquête fera remonter des documents avec ses empreintes dessus. Il faut que je me remette au boulot. On a un avant-poste à faire tourner. Ascension en cours. Sortie d'atmosphère. RAS. Bonjour. Descente possible. Synchronisation, trajectoire stable. Thank you.
Lexi, j'en ai trouvé une autre. Bon moment pour une mission de terrain. Quelle est votre tactique, Jal? Je tue l'ennemi avant qu'il me repère. Je dois en changer. Non. Ça ira. Il va falloir couper le courant.
Je suis la vaincue. Qu'êtes-vous ? Darin Anton, Initiative Andromède, L14 Augusta. C'était rhétorique. Début de la dissection. Je n'ai aucun remords d'avoir tué cette ordure. Regardez, les cartes ont établi un camp. De la technologie Kert. La technologie alien prend de nombreuses formes, mais à quoi elle sert ? Une de nos légendes raconte que ces formations sont apparues sous le poids du ciel, bien avant le fléau. Cette technologie alien prend de nombreuses formes, mais à quoi elle sert ?
Aya observe l'évolution d'Eos avec beaucoup d'attention. Ascension en cours. Sortie d'atmosphère. RAS. Ryder. Je viens de recevoir un signal d'un autre traceur ZK. Il faut qu'on se rapproche pour essayer d'extraire des données. Je m'en occupe. Je détecte quelque chose. Sonde larguée. Traceur droit devant. Il a l'air actif. Approchez-vous doucement. Il nous faut un point d'origine. Autodestruction facile. Attendez, je vais essayer de caler un modèle prédictif sur ce fragment. Là, un vecteur commun. On a peut-être un point d'origine. Bien joué. En route. En orbite stable autour de Vold. On approche de la ZA.
les Riders, vous n'hésitez pas à vous déplacer à découvert. Il le faut bien. On est là pour explorer. J'ai du mal à m'y faire. Ça fait des années qu'on se cache des Kertes. Un jour, on les détruira. Le plus tôt possible. J'y compte bien. Présence de forces de Kertes dans le camp droit devant Pionnière. Capable de pirater cette console pionnière. Le code d'accès est pratiquement reconstitué. Et deux. Faut encore combien de consoles ? Une seule devrait suffire. Je détecte des températures inférieures à la normale. C'est une lourde tâche qui vous incombe. Mais réussir à installer les vôtres dans Helios. J'ai parfois encore du mal à y croire. Qu'on puisse créer des lieux où vivre. Et pourtant, on l'a déjà fait. Tant de choses reposent sur nos épaules. En tant que représentant de la Résistance, je sais ce que ça fait. Capteur détecte de la technologie Kertes pionnière. Cible neutralisée. Kertes en approche. Le recharge. Je peux pirater cette console. J'ai reconstitué le code d'accès au centre de contrôle des Kertes. J'ajoute les coordonnées. Bien, maintenant on se débarrasse des navettes. Environnementale. Les températures sont dans les paramètres acceptables. Les systèmes de survie sont stables.
8 frères et sœurs, et presque 4 fois plus de cousins. Et mes mères, ça fait beaucoup de personnes qui nous disent quoi faire ou qui devenir. Sans blague, comment vous faites pour gérer ça? Honnêtement, j'ai du mal. De commande des navettes pionnières. Donc les informations étaient exactes. C'est juste qu'ils ne pensaient pas qu'on survivrait. Bon, mettons un terme à leurs opérations ici. Validé, pionnière. Plusieurs navettes cartes seront clouées au sol. Ça va dégager le ciel pour la résistance. Allez, on s'en va. Je détecte une diminution de la température. La température ambiante est normale. Les systèmes de survie sont stables. Cora, qu'est-ce que vous faites pour vous divertir? Vous avez vu mes plantes, non? Je crois que le terme Angara pour exprimer le concept de divertissement ne doit pas bien correspondre au vôtre. Joli travail. Je détecte des températures inférieures à la normale.
Ces machines Kert ne me plaisent pas trop. Environnementale. Les températures sont dans les paramètres acceptables. Il y a de la technologie Angara dans ce camp. Un scan devrait apporter de plus amples informations. Il semble que la connexion entre ce mouchard et la résistance passe par un dispositif mobile désactivé. Il est où ce dispositif ? Il me faut plus de données pour le localiser. Je pense que je comprends pourquoi les Asari ont tant d'importance dans votre galaxie. C'est différent d'Andromède. Je l'avais oublié pendant un moment. Korra, n'ayez jamais honte de la foi que vous placez dans les autres. Comment est-ce qu'on peut apprendre si on n'ouvre pas son cœur ? Ryder, on fait une pause ? J'aimerais bien me dégourdir les jambes. Je suis d'accord, pause, on sort, on court un peu et on repart. Non ? Bon, d'accord. C'est de la technologie Kert, Ryder. Neutralisé.
scan de la technologie Andara dans ce camp. Un scan devrait apporter de plus amples informations. J'ai localisé la connexion mobile de ce mouchard. J'ajoute les coordonnées à votre système. Personnalité éminente dans ma famille. Notre nom est déjà une responsabilité en soi. Je ne voulais pas que ce nom trace ma route. Je voulais ma propre histoire, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, très bien. J'ai juste du mal à me représenter une famille aussi nombreuse. Et je n'ai même pas de frère ou de sœur. Quoi ? Comment c'est possible ? Je ne sais pas. Demandez à mes parents. Vous êtes en excellente forme physique, Cora. Vous vous démarquez du groupe. Merci. Je ne pensais pas que vous faisiez attention à ça. L'esprit a ses raisons que la raison ignore. L'appareil de côté. Je détecte l'appareil de connexion à proximité des pionnières. Vérification environnementale. Les températures sont dans les paramètres acceptables. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je le reconnais. Dalvor.
mais relevé désigne ce datapad comme étant l'appareil de connexion. Il faut qu'on le rapporte à la Résistance. Je détecte des températures inférieures à la normale. Ça vous contrarie d'être fille unique? Est-ce que cette équipe et ces guerrières d'élite dont vous faisiez partie avant comble un manque? Le sentiment d'appartenance n'est pas le même que dans une famille. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Mais je sais que je peux quitter cette équipe quand je le veux. Et pourtant, vous restez. L'envie d'aventure? L'envie d'aventure. Pilier reliquat droit devant. Attention, Ryder. Carte, droit devant, pionnière. L'équipage a développé un esprit de famille, vous ne trouvez pas? Oui, on a traversé beaucoup d'épreuves ensemble. On a appris à se connaître, à s'apprécier. Certains plus que d'autres, mais oui. Je vous apprécie, Cora. Comme une sœur, vous faites partie de ma famille. Pas les limites acceptables.
pollution environnementale ne dépasse pas les limites acceptables. Système de survie rétabli. La température ambiante est normale. Thank you.
J'aime bien votre fusil, Jal. J'y ai apporté quelques modifications personnelles. C'était une arme Kert, avant. Maintenant, elle l'est due pour moi. Chez nous, les gens donnent parfois un nom à leur arme fétiche. J'appelle celle-là une Darave. Ce site reliquat a certainement des défenses. Des appareils Kert, Ryder. Soyons prudents. D'étranges signaux provenant de cette Angara pionnière. Un scan du corps permettra peut-être d'en apprendre plus. Sam, ça donne quelque chose ? J'ai alimenté la base de données, mais il me faut plus d'informations pour reconstituer le signal de localisation. Impressionnant, Jal. C'est plus facile quand on s'imagine la tête de l'Archonte à la place de la cible. Compris. Reliquat droit devant. Attention, Ryder. Un appareil de stockage de données Angara qui transmet un signal basse fréquence autoguidé. Quelqu'un l'a laissé ici exprès.
les Angara ont l'air de beaucoup s'étreindre les uns les autres. Ou de se frapper, sinon. Vous tombez souvent malade? Possible. La maladie est un sujet d'ordre privé. On n'en parle pas. Vraiment? Pas de jour de repos? Pas de remède de grand-mère? Il commence à faire chaud, d'un coup. Vous voulez du Medigel? Arrêtez, par pitié. Regardez ça. Les reliquats se sont appropriés les lieux. J'ai repéré un camp de Kert. Mes capteurs détectent de la technologie Kert pionnière. Préparez-vous! Relevé de cet Angara. Je vous recommande de scanner son corps. J'ai ajouté le scan à ma base de données. Encore un, et je devrais pouvoir inverser le signal de localisation. Je détecte une diminution de la température. Pionnière. Système de survie rétabli. Je détecte une diminution de la température. Il y a beaucoup d'autres IA comme Sam, là d'où vous venez. Non, très peu. La plupart des gens ont peur des IA. Pardon ? Pas forcément. Mais quand une IA est corrompue, elle peut représenter une vraie menace. La température ambiante est normale. Les systèmes de survie sont stables. Ce site reliquat a certainement des défenses. Les
planètes d'Eleus continuent de me surprendre par leur étrangeté. Ce qui est encore plus étrange, c'est de les voir peuplées par des humains. L'Angara Mort tient un appareil de stockage de données. Sa famille voudra sûrement le récupérer. Sam, rien d'anormal concernant les champs de bataille qu'on a trouvés. J'ai l'impression qu'on a raté quelque chose. Analyse de la distribution géographique, du degré de décomposition des corps et des informations fournies par les données. Il y a une forte probabilité que les combattants de la Résistance se déplacent dans la direction que j'ai indiquée sur votre carte. S'ils poursuivent des cartes, ils risquent d'avoir besoin de renforts. Non. Yalaon, c'est une sœur ou un frère aîné. Pour les plus jeunes, c'est Olaon. Comment on appelle un enfant sans famille ? Sholaon, frère ou sœur adoptée. Sholaon. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais on arrive trop tard. Il faut informer la Résistance de ce qui s'est passé ici. Je vais transmettre toutes les données recueillies sur ces champs de bataille à la base de la Résistance. Parfait. Maintenant, on dégage. Thank you.
c'est vous, Jal. Vous empiétez sur ma place. Il fait trop chaud ici. Physiquement ou émotionnellement? Poussez-vous, c'est tout. Des appareils Kirt, Ryder. Soyons prudents. Un étrange relevé de cet Angara. Je vous recommande de scanner son corps. Sam ? J'ai reconstitué le signal de la puce de localisation. Je l'inverse. Le signal provient d'un lieu sur Völd. J'ai ajouté les coordonnées à votre Omnitech. Bien, allons voir d'où viennent ces Angara.
cette aptitude que vous et Bibi possédez. Les pouvoirs biotiques? Qu'est-ce que ça fait? C'est douloureux? Si on se lâche vraiment, ça fait comme un énorme éternuement. Un qui ne fait pas du bien. Incroyable. C'est quoi un éternuement? Cet implant amplifie votre potentiel biotique naturel. C'est ça. Il doit agir sur les impulsions neuroélectriques. Mais c'est plutôt dangereux. Il utilise quel genre de transistor? Aucune idée. Vous permettez que je... Non. Les traceurs indiquaient cet endroit pionnier. Alors, on est entré en territoire Kert. Restez sur vos gardes. Ennemi en approche. Vous croyez que j'allais mourir ici. Si vous êtes là pour me secourir, je vous remercie. Je ne connais pas votre espèce. Qu'est-ce qui me dit que vous n'allez pas simplement m'emmener dans une autre prison?
Je suis de l'Initiative. On est dans le même camp. Je me demande ce que ça veut dire pour vous. Je retourne sur Avarl. Je vais m'arracher cette puce de localisation du coup. Si jamais on se recroise, je vous paierai un verre. Merci. Thank you.
je détecte une température normale, pionnière. C'est un froid extrême, pionnière. Mais je t'aime, Ayo. Je sais. D'accord. Les températures environnementales ne dépassent pas les limites acceptables. Il ne s'en est pas tiré. Je vois. Ça explique pourquoi il ne répondait pas à mes transmissions. Et pourquoi on n'avait plus de données. Tenez, son datapad était intact. Il devrait contenir tout ce dont vous avez besoin. C'est bien digne de Talvor, ça. Prévoir toujours tout, même à sa mort. C'était un homme bien. Merci, pionnière. Je crois que j'ai assez d'infos. Si vous avez besoin d'autre chose, je reste ici. C'est un froid extrême, pionnière. Les températures environnementales ne dépassent pas les limites acceptables.
les températures sont négatives et continuent à chuter. Comment va ta sœur ? Oula, je voulais pas vous faire peur. Nom d'une étoile, c'est la pionnière ! On a entendu dire que vous aviez éclaté les Kert. Vous leur avez fait ravaler leur exaltation. Hallucinant. La ferme, Beniska, tu me fais honte. Toi, la ferme ? Je suis charmante, pas vrai ? Les Angara ont été formidables avec nous, vous y compris. Alors merci. Tu vois, Tzik, on est déjà potes. Alors, comment ça se présente ici ? Des conseils ? Pour commencer, vous pourriez rejoindre le combat à Jara. Vous voyez ces lumières rouges. Il paraît qu'ils ont besoin d'aide. Ou vous pourriez simplement aller tuer des Kert là-bas. Il y en a partout. Vous voulez savoir autre chose ? On est des experts. Ça fait une éternité qu'on est postés ici. Vous connaissez des ruines ou des sites reliquats ? Je crois... En fait, je ne sais pas. Tzik, tu lis jamais les infos ? Non. Quand il y a quelque chose d'important, tu me le dis. Et donc, c'est où ? Les lumières en hauteur, sur votre droite à un moment donné. Qu'est-ce que c'est, ce complexe alien sur la montagne, là-bas ? C'est le centre de commandement des Kert. On le surveille en permanence. À quoi est-ce qu'il sert ? Il contrôle les opérations des Kert sur toute la planète. Leur vaisseau n'arrête pas d'aller et venir. Je me suis retrouvée nez à nez avec la préfète. Une vraie Vezane, sans foi ni loi. Même les Kert avaient l'air d'en avoir peur. Mais on n'a pas beaucoup d'infos sur elle. Ces lumières rouges, vous dites que c'est Jara ? Oui, la station Jara, un des Dahara de la vallée. C'est une petite communauté, essentiellement des scientifiques. Si vous n'y êtes pas déjà allé, il y a peut-être des gens qui ont besoin d'aide là-bas. Comment ils survivent là-bas ? On s'est adapté au climat. C'est si étonnant que ça. Ces lumières attirent l'attention. Les Kert ne les attaquent pas ? On s'est adapté à ça aussi. Les Kert veulent nous capturer vivants, donc on se bat jusqu'à la mort. Ça a l'air de les dissuader. Je vous laisse travailler. Faites attention à vous. Sois prudent aussi, Jala Madarav. Est-ce que ta sœur s'est rétablie depuis sa mission ? Elle a eu du courage. Beaucoup de courage. Oui, elle est rétablie et courageuse. C'est gentil de demander.